grâce au roi et à ses hommes. Mais l'artefact était également protégé par de puissants sorts, et seuls les esprits aux intentions pures pouvaient le toucher. Au cours de plusieurs décennies, beaucoup de rois et de chevaliers avaient essayé d'approcher l'artefact, sans succès. La légende disait qu'un jour, un héros à l'esprit et aux intentions pures viendrait s'emparer de l'artefact. Mais tandis que nos héros franchissaient la porte du château, ils réalisèrent que les morts vivants avaient tout pillé. Cet endroit si magnifique était devenu terrifiant. Du coup, eh bien, salut à tous. Vas-y, fais ton intro. C'est un fail. C'est pas grave, vas-y. Fais ton intro. J'adore, c'est les deux qui ont voulu faire l'intro. Ben temps. Ouais. Eh bien, salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Trapline, l'épisode 3, toujours en compagnie de Jojo. Salut Jojo. Salut, salut. Bon, du coup, je vais pas faire l'intro, tu l'as faite, hein. Ouais, de toute façon, notre intro a tout dit. Merde, c'est mal. Bon. Ah, j'ai gagné un trophée, oups. Voyons voir. Hop, 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 hop. Alors nous on a regardé, je vais aller en bas moi. Ah, on peut pas. Non. On a regardé ce qui nous manquait, il nous manque pas grand chose mais il nous manque quand même quelques trucs. Du coup on vous fera un épisode spécial pour aller tout récupérer je pense. Et on est déjà à la moitié du jeu, hein. On a déjà fait la moitié des trucs. Ah, c'est con ça, j'avais réussi et... Non. Je crois que t'étais en train de mourir. Bah. Non, tu penses? Ah merde. Ah. Ça, c'était pas prévu ça. En arrière, il y avait rien. Pour te réanimer. Pense, peut-être. Ah, de toute façon. De toute façon, je crois pas que je pourrais. Non, me dis pas que tu t'es bloqué. Ah, je peux avancer tout droit, mais. Et encore. En prenant des dégâts, quoi. Oh, je vais me laisser tuer. Ça sera plus simple parce que là, j'étais bloqué. Bon. Ouais. Ici, j'ai besoin que toi, voilà. Bien joué. Une statue d'aigle. Elle fait quoi cette statue d'aigle? Réduit le coût de mana des invocations d'objets magiciens uniquement. Bah je passe au magicien alors. Potion de santé on va le mettre là. Réduire les dégâts on va le mettre plutôt sur lui. Antitif vampirique. Ce sera plus sur lui. Chapeau tech. Bah ouais, bah c'est sur magicien. En fait quand je regarde on est sur tous les trucs du magicien qu'autre chose. Je prends ça pour tuer les ennemis au cas où on aura besoin. Ouf. Un peu de choses près, je me ramassais le truc sur la tête là. Ah là-bas en haut. Merde. À bouger. Moi je récupère tout ce qui est en haut. Hein. Ok. Ça. Ça m'a l'air plutôt tordu.
Moi je suis là-haut. Quand tu arriveras à monter, je vais te laisser le. Non, c'est bon, t'inquiète, regarde. J'ai pas pu! Ah non, tu l'as pas fait tourner dans le bon sens. Ah merde, tu m'as coincé Ben. T'as un bouton à l'appuyer quelque part toi? Saute sur le machin. Mais pas besoin, moi je dois appuyer sur le bouton qui est là. Non mais pour aller chercher la fiole. Ah oui, c'est un peu ça mais... Pose un bloc sur le... Vas-y, fais-moi monter. Ouais, c'est bon. Moi j'ai un truc ici, toi aussi, voilà, nickel. Ok, attends, fais ça. Hop, ça, on le met comme ça. Ça a l'air d'être voilà. La mort ici. Hop, 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 hop. Ok. Ok, j'ouvre le coffre. Cartoir rapide de voleuse trouvée. Oh putain! Bien joué ça. Je l'ai tué avec mon cube? Ouais. Ah, ça va plus vite à tirer, très bien. Oh, attends, maman. Oh non! Oh! Damnation. Je vais les pousser. On a rien oublié? A mon avis, on a oublié des trucs quand même. Non? Bon, je vais retourner en arrière alors. Je suis coincé, moi, de toute façon, ici alors. Apparemment. Non, il me semble qu'on a rien oublié parce que moi j'étais en bas, toi t'étais en haut. J'ai fait mourir. Ah! T'as réussi à avoir les objectifs. Une partie. J'ai pas encore pu tout avoir. Attends, moi je fais en sorte que ce passage là soit sécurisé. Merde, attends, c'est pas. Bon, c'était ça que je voulais faire. Mais... Oh, magnifique. Bon, le match peut encore rien améliorer. J'améliore la vitesse de recharge de... Ok. Bon, ok, j'essaie de le tuer avec le sorcier, mais bon. Putain! Bien, je sais que Rice l'est sorti au cas où tu tombes prêt. Merde, il y a encore un truc à mettre ici. Bon, attends, je vais t'ouvrir la porte. Merci! Quand il y a des passages dangereux, dis-le moi, j'utiliserai ma magie pour essayer de... Bon, à part la boule là que je ferai pas. Ok.
Tiens, si, si. Attends. Avoue que j'ai une bonne idée, hein, alors. Oh, j'ai une bonne idée. Ouais, ça c'est une bonne idée, ça. Si tu sais rajouter encore un cube ou deux. Hop, parfait, je peux monter. Oh, quoique. Oh, il y a un coffre. Bon, et tu es en train d'ouvrir. Une gemme supérieure bleue. Donc de 1 la limite de boîte magicien. Au point de 1 le nombre de flèches tirées par canard. Ah. Oh. Je vais augmenter mon nombre de boîtes, moi. Bah moi ça va être l'inverse. Ah bon, ok, je comptais le tuer, mais... Y'a rien de va... Non, y'a l'air de rien à voir. Oh là, le petit ok. On dirait un livre. Je vais le regarder plus en détail. Vas-y, ah bah c'est la fin du duo. Y'a... On a tiré. Avec un grand enthousiasme, le magicien lut le contenu du journal du roi. Les dernières pages étaient particulièrement intéressantes, car le roi expliquait comment il avait découvert les anciennes ruines abandonnées depuis longtemps. Les statues et l'architecture avaient impressionné le vieux roi. Le journal du roi contenait peu d'informations sur les artefacts, mais les descriptions correspondaient aux symboles trouvés sur la tombe du premier gardien. Dans la légende, il existait un endroit que les gardiens appelaient leur foyer. Si c'était vrai, et que les artefacts provenaient des ruines, nos héros allaient peut-être finalement obtenir des réponses. Le journal indiquait précisément l'emplacement des ruines, au milieu de la forêt, à une longue distance. Nos héros se mirent à suivre les directions du journal du roi. À la lisière de la forêt, la voleuse ressentit une étrange sensation, un sentiment de chaleur dans son cœur. Il nous reste beaucoup un sentiment de chaleur dans ton cœur. Oh, bah non, parce que... Ah, tu poses une caisse? Oui, bien sûr. Une deuxième? Pas besoin. Non, pas besoin. En fait, j'adore, c'est que je veux bien faire le trophée. Ah, attends, 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 j'ai une bonne idée. Attends! Pas grave, t'inquiète. Oh, bah bon, il faut que ça m'étonne sûr qu'il ne me fait pas perdre de santé. Hein. Par là. C'est bon, ça va, y a plus rien. Ah, on s'y attendait tous les deux pas. Mais c'est ton truc qui bloque en fait. Connard! Je te déteste! Attends, mon bloc il est bloqué, regarde. J'avoue. Passe à côté du truc, tu vas récupérer la moitié de ta vie. Je vais laisser la recherche. Il n'y a plus beaucoup de vie avec, hein, donc repasse d'abord dans le truc. J'étais en fait sur le machin. Ah.
coffre. Écailles de poisson. Temps limité sous l'eau. Ouais. Ouais, je vais mettre un bon archer. Attends, bah moi je vais. Ah, bah c'est vrai, ils me l'ont mis sur mon perso. Mais tu crois que c'est. Oh, j'ai trouvé un. Passage secret. Les artefacts, ça marche que pour ceux que qui le portent, on est d'accord à mon avis. Ouais. Mais étant donné que moi j'ai mis les artefacts à mon match et toi, ton perso. Parce qu'on a peut-être. Attends, j'ai une idée. Attends. Ça tient? Oui, j'ai de bonnes idées. Hein. T'es pas obligé de te vanter tout le temps, hein. Ça je l'aurais bien fait aussi. Merde, je voulais la taper l'ennemi avec. Ah bah attends. Cassez-moi le cul. Ok. Oh, moi j'allais te faire un petit passage ici. Merci. De rien. Tout le plaisir était pour moi. Attends, viens, je vais te faire monter. Ah, je veux dire, si t'as besoin. Ok, j'ai compris. Le truc à droite? Ah, tu l'as pas vu. J'adore, c'est que tu vois les trucs, t'es censé faire un carré pour que ça fonctionne. Ouais, mais tu touches à rien, ça le fait quand même. Non, moi je fais des ronds, ça fonctionne. Alors voyons voir. Je vais mettre un gros cube ici, ce serait utile. Ça a passé. T'as vérifié tous les trucs qu'il y avait en haut? Pas encore là, il y en a encore un là. Ouais, si tu remontes là. Non, remonte avant. Ouais. Vas-y. J'ai déjà logiquement éliminé les quelques araignées qu'il y aurait là-bas. Pas parce que j'arrive pas à trouver le passage que t'as pris. Ah, c'est quoi que j'ai? C'est temps illimité. Quoi, temps le... illimité sous l'eau, d'accord. C'est vraiment. C'est illimité, d'accord.
Ah d'accord, t'as déjà tout fouillé en haut? Ouais, ici, ouais, il faut que tu mettes une plateforme pour que je puisse passer à droite. Attends, parce que je m'étais foiré dans ma plateforme. Ah, Ben, je vais mourir. Ah, ça va. Tu m'avais complètement fermé sous l'eau. Merci. Bon. Quel connard que je suis. Ça a foiré. Change de perso, prends mon truc. Non, regarde. Ah, si, comme ça, moi je vais le créer et toi tu pourras monter. Non, ça ira, t'inquiète. Bah putain, mais à chaque fois il a créé autrement que je la veux. Voilà, c'était comme ça que moi je la voulais. Mais... Donc, logiquement, ici il y avait 2-3 araignées, je les avais déjà butées. Oh. Attends. Regarde là, il y en a un bien caché, le bâtard, je crois. Sur la droite là. Celui du milieu. Ah non, autant pour moi. Bon, attends, je vais nous créer une tour. On va faire un oculé, c'est ça que ça veut dire. Bon, bats les couilles de ta tour. Ouais, voilà, t'as tout compris. Moi je m'en fous, je me fais une tour. Je sais pas si c'est le vide là. Du coup, je vais tester. Ça là? Ouais. Ça a l'air d'être le vide. J'ai entendu que ça tapait contre quelque chose. Ouais, c'est le vide. J'ai rien dit. Bon, j'ai été récupérer tous les trucs dangereux. Maintenant, c'est à toi. Je suis mort. Là c'est le vide. Ouais ouais. Avec mes flèches on pourrait même croire que c'est une... Tu sais que c'est une... Ah attends. Logiquement... Il nous manque un coffre. Bah... Il y a un coffre caché quelque part. Pour le moment, je le vois pas. Ça a l'air d'être la fin. Hein. Ouais, bon bah. Attends, arrière, attends, attends. Impossible. On va quand même regarder vite fait. Il est peut-être caché ici quelque part. Oh. Enlève ta plateforme, je vais essayer d'aller dans l'eau. T'es un connard. Tu m'as totalement coincé après. Désolé, c'était trop tentant. Bon bah go. Ah d'accord, en fait L1 c'est pour demander de changer et L1 c'est changer. Ça dépend s'il y en a un qui est mort ou pas en fait. L'inévitable ne se produise, mais pour le moment la forêt résistait à l'envahisseur. Peut-être grâce aux artefacts qui avaient été créés à proximité. Il y avait encore de l'espoir. Allez hein. Oh oui, on l'a directement notre personnage. Cette obscurité est mauvaise. Longtemps. Donc quoi, des fois quand je crée des gros cubes pour un rien, c'est très utile. J'ai mis des gros cubes. Oh oui. Merci l'ennemi d'être con. Il s'est auto-explosé la tête avec mon cube.
Tu me bloques, hein? T'es au courant de ça? Vas-y, ouvre le coffre. Oh, prisme de lumière. Chaque point de passage, le personnage reçoit 25% de vie, de mana en plus. Oh, ça c'est bon ça. Bon bah je le laisse sur mon mage. Ouais, ben moi je le laisse sur sur mon archer. C'est l'autre qu'il faut que tu pousses, tu sais. Attends, enlève-toi de là parce que sinon j'ai que deux. J'ouvre le coffre. Ah. Un nouveau point de compétence pour le... Vas-y. Attends, il y a un truc qu'il faut que je lise. Le marteau de la tempête muni par la nuit. Ah, tu vois le gros mur qui est là. Tu peux le péter avec ton... ta compétence. Je fais comment? Peut-être pas triangle. Ah. D'accord, on peut changer d'angle. Bien sûr, la lampe qui est là-bas. Ouais. Si tu te mets devant, ça va pas le faire. Surtout que j'utilise du mana moi pour faire ça. Pareil. Derrière, il y a un point de contrôle. Ah, mais il est là-haut. Ouais, bah j'ai fait des plateformes justement. Non, non, t'inquiète. C'est juste que bon. Attends. Prendre le garé hein. Ouais. Ah oui. Il y en a là-dedans. Attends parce que le truc là il part en couille aussi donc En fait logiquement t'as besoin d'une barre à côté de toi. Pourquoi moi? Non, attends, tu failles m'assommer avec mon propre cube. Putain, je me trompe de touche en fait. Ah, je me trompe pas de touche, mais normalement c'était censé me rendre. Putain. Merde, j'étais vraiment persuadé que ça allait tomber sur sa tête. Attends, par ici, il y a un truc, là. Merde, j'ai foiré. Tu les as eu? J'allais construire une méga tour, en fait, pour y accéder. Attends, je laisse le marteau. Passe vite. Vas-y, fais un mur, un truc, là, j'aurai besoin de toi. Profite-en pour faire le truc de 5, non? 5
Ouais, hein, c'est 5. Mais vas-y, fais-le, hein, avec encore des plateformes. Hein. Voilà, encore. Tu sais plus encore en faire une? Voilà. C'était 5, pas non 12. 12? Non. Ouais, je de toute façon, pense, je pense avoir lu 12, moi. Bon, on verra, on verra. Ah! Viens, vas-y, moi je les écrase. Pose des pierres sur ton truc. Vas-y, pose la pierre. Attends, j'ai jeté un culte de protection là-bas. Elle était assez discrète, mais je l'avais vu, l'araignée qui voulait nous pousser. Il reste encore 4 ennemis à tuer. Des araignées cachées quelque part. Faudrait réussir à aller là-haut. Oh, bien joué. J'étais en train de me demander comment on va faire, mais ça va, en fait, c'était pas si compliqué que ça. Quoi, mon culte a été, il a tué un ennemi ou alors non? Non, mais t'es sérieux? Merci Ben. J'ai trouvé un coffre. C'est pas de ma faute, t'es passé juste au moment. Vas-y, je l'ouvre. Une fiole de vie trouvée. Je pense que ça sera bien utile pour toi. Merde. Ça voulait dire quoi ça? Vu à toutes les fois ce que... Voilà, ferme ta gueule. Parce que je t'ai tué avec mes plateformes. Ouais, c'est surtout ça. Hop. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Encore 6 fioles, hein, y en a tout. 6 fioles et un peu de on. Fait mourir. Là, on les a oubliés. Tant pis. 3 fioles, moi, qui me reste. Que je vois. Enfin, l'obscurité diminua et nos héros furent soulagés de retrouver la lumière. La voleuse s'avança calmement les alentours. Elle n'était jamais venue ici auparavant, mais pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, elle avait le sentiment d'appartenir à cet endroit. Les ruines du péril, comme le vieux roi les appelait, ressemblaient exactement à la description faite dans le journal. Belles et majestueuses malgré le passage des siècles. Le troisième artefact se trouvait peut-être au sommet des ruines. D'accord. Ah, let's go. Ce sont d'anciennes ruines. Vas-y. Je ne pense pas que quiconque soit venu depuis longtemps. Mis à part ces tadeaux, qui pourrait bien abandonner un tel endroit? C'est si beau. Tout en haut là, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un coffre. Il y a un coffre, je crois. Pose des blocs jusqu'à monter là-haut. C'était pas plus juste, hein. Non mais... Ah, j'y étais, je suis passé trop au-dessus. Tu m'as gêné. Vas-y, encore. Bon, attends, faut que je recrée un autre bloc. Non. Non, patient. Je fais n'importe quoi! T'y es? Y'avait rien. J'ai rien pu ouvrir. Attends. C'est bizarre, si, il doit y avoir quelque chose. Putain, je peux y arriver, vas-y.
Ah mais je tombe, je suis un connard. Je suis sûr il y a quelque chose. Ça me paraît bizarre. Non, mais... Bon, y'a rien. C'est le vide ou pas? Non, mais il y avait plein de pics. Y'a voilà, j'ai empêché qu'on tombe sur les pics. T'as trouvé quelque chose? Ouais, une fiole qu'il y avait ici. Bien joué. Du coup, je peux améliorer quelque chose. Coup de 3. Ok, j'ai amélioré pour le magicien du coup. Je suis en train de chercher un peu mon curseur. On a raté des popos là. Écoute, moi je fouille l'eau. Parce que je suis déjà tombé quoi. Bon, j'ai activé le point de respawn. Ici il y a encore deux popos. Pas remonter là. Attends, faut que je casse le truc, j'arrive. Non, vas-y, attends. T'inquiète pas, je vais casser. Ah ! Faudrait que tu me fasses un escalier ici. Attends, parce que moi de mon côté, il y a... Hop. Il y a un coffre même. Amulette, une amulette du courage. Hop, voilà. J'ai trop de trucs pour mon... Attends, il faut que je fasse... Je me suis pris un pic. Augmente le niveau de... ça, je vais peut-être le mettre sur lui. Ah, j'ai compris, vas-y, monte. Monte sur le premier. Attends, touche à rien parce que là, ça va être la merde. Vas-y, appuie sur le deuxième. Pourquoi t'as été là? Pourquoi t'es revenu? Parce que... Voilà, c'est bon.
Du tout, mais il faut aller à droite, hein, non? Faut que tu appliques sur. Voilà, maintenant n'appuie plus sur le bouton. Bah si. Attends, regarde. Ah non, t'as chié là, Ben. Enlève-toi. Enlève-toi, ça va faire ça tout le temps sinon. Attends, appuie sur le premier bouton. Eh, tu te fous de ma gueule? Pousse-toi. Pousse-toi. Non, non, appuie sur le premier bouton. Pousse-toi, je te dis. Regarde, tu bloques le truc, toi. Bah oui, bah attends que. Voilà, comme ça, ça s'est remis ensemble. Appuie sur le deuxième bouton. Tu comprends? Pousse-toi. Maintenant, il faut que j'appuie. Il faut que je réappuie une fois. Et il bloque le truc, hein. Voilà. Là, c'est toi qui as bloqué. Mais normal, je voulais monter dessus, mais t'as appuyé sur l'autre. Pousse. Mais enlève-toi. On passera pas à deux, hein. Voilà. Maintenant, appuie. Voilà. Enlève-toi. Voilà, il a compris. Voilà. On peut passer à deux. Oui, mais si tu restes appuyé dessus, ça risquait pas de marcher. Hein. Ah merde, par contre, j'ai fait le con. J'essaie de contrôler ça du mieux que je peux. Non. Voilà. Je me demande si t'arrives pas à mettre droit et si t'arriverais pas à mettre des caisses dessus, si on pourrait pas monter en haut. Ah, c'est pas grave. On t'éloigne pas. Qu'est-ce qu'il y a dans cette tour? Mmh. Ok, j'ai compris. Passer, comment t'as fait? En fait, il faut. Ouais, maintenant. Attends, il faut que tu fasses ça, mais après. Attends, il faut d'abord que tu me laisses monter. Voilà, tu me dis quand tu le fais. Quand tu le relâches. Voilà, j'attends que tu montes dessus. Vas-y, go. Mais non... Ah non, d'accord, tu veux faire ça. Mais ça sert à rien, ça. Il faut que je monte dessus au moment où ce qui revient, tu vois ce que je veux dire? Fais-le aller tout à gauche et fais-le relâcher. Ou tu me dis quand tu le lâches? Je lâche. Ouais, bon, j'étais un petit peu en retard. Il faut que tu me le dises un tout petit peu avant. Parce que du coup, c'est un moment. Tu sais, il faut. Quoique maintenant, il est peut-être assez en vitesse pour pouvoir monter dessus. Hein. Ouais. Laisse-moi le mage un peu, que je fasse mon trophée. Attends, il faut que je saute dessus. Ah, bah ça va être compliqué vu qu'il n'y a plus d'ennemis.
T'as fait me tuer toi. Oh, on va encore se disputer. Tu sais appuyer sur les trucs? Oh, parce qu'il faut que je vois quelle touche fait quoi. Ça, ça fait ça. Encore? Ouais, mais toi t'es malin, toi. Bah voilà. Bah ouais. Bien joué. Rappuie sur l'autre. Voilà, touche à rien. Voilà, ton tour. Laisse-le moi. Faut que tu les fasses tomber sur leur tête. De plus haut. Mais c'était quoi les autres trucs? Sauter sur la tête avec le guerrier. De plus haut aussi, je suppose. Ouais. Attends, je vais me remonter là-haut. Attire-le vers la droite. Ah, c'est bon. Et l'autre, c'était quoi? Avec le mage? Le mage, tu l'as déjà fait? Non, avec le chasseur. La voleuse, là. Je me rappelle plus. Je pense que c'est avec le grappin. Mais comment je vais faire, moi? Mec, il y a un troll là-bas. J'adore quand tu me dis ça, mec, là-bas il y a un troll quand même. Ah, c'est le vide là? Je dirais. My name is Bond. Donc il faut que je tue un gars avec le grappin. Attends, force pas. Quoi? Bah comment je suis mort là surtout? Sur ma gueule ou quoi? Il a tué le kid volant. Ah ouais. Bon, prochain ennemi, faut que je le tue au grappin moi. Je sais pas si t'es tué au grappin mais... Si c'est ça, j'ai été voir. C'est bon, j'ai tué au grappin là, non? Ah, je l'ai pas tué au grappin, je l'ai poussé dans l'eau. Dans la. C'est pareil, non? Ah, là je peux en tuer un là. Attends, là je peux en tuer un. Quand tu vois un joueur de trophée, t'es dans ta tête, tu te dis putain, mais comment il a fait ça sans rendre compte, lui? Aucune idée. Tu l'as fait toi? Ouais, je t'ai déjà fait ça avec les trois persos. Putain! J'ai switché sans faire exprès de personnage. Il était en train de détruire ma tour. Moi, tu fais une belle tour pour passer. Et ça foire. Bon, bah, pas grave, je suis passé. Ce sera pas la fin, hein. Je l'ai pas encore fait, mon teufume. De toute façon, il n'y avait pas de bois, donc je peux pas faire le grappin. Allez, une, deux. Où est-ce que tu vas? T'as oublié un truc ici. Ouais, je sais. Là, je me doute. Ah merde. Ouais, ça a pas voulu. Ok,
Ok, bon. C'est pas comme ça que je voulais faire, mais ça a fonctionné. Bon, un ennemi là, s'il vous plaît. Ah, là je vais pouvoir le faire. Laisse-le moi celui-là. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Au moins, c'est un job en moins à faire pour plus tard. Attention. J'ai glissé, chef. Bon, à mon avis, ça va être chaud de. Oh, c'est un moment. Non, il faut que tu le refasses balancer. Ne me pousse pas. C'est bon, go, non, go. Oh. Vas-y. Voilà. Une gemme supérieure rouge trouvée. Augmente la limite de la planche pour le magicien. Augmente la santé maximum du chevalier de 1. Tu peux avoir une planche en plus pour ton machin. Oh merde, je vais avoir besoin de toi moi du coup. Non non, c'est bon, merde, ça va aller. C'est bon. Encore qu'à la fin, j'ai quand même donné une petite impulsion. J'étais en train de tirer le truc vers moi justement pour que tu puisses sauter. Ah, ça sent la fin ça. Vite, il n'y a rien ici. Non, juste un autre grand magicien au repos. Attendez. Ok. Il n'y avait pas si longtemps, un tremblement de terre frappa le piédestal et détruisit le sanctuaire où se trouvait l'artefact du corps et de la matière. Le sort qui protégeait le troisième artefact fut rompu et ce dernier fut volé. Pis encore, il fut lié à l'artefact de l'esprit et de la puissance. Sans celui de l'âme et de la vertu, le pouvoir des artefacts fut faussé et donna vie à des créatures d'os et de poussière, capables de mouvement, mais sans âme ni dessein. Le Trine était la seule chose qui permettrait de ramener l'équilibre dans ce monde. Eh bien les amis, on va mettre fin à l'épisode ici. Ça fait déjà un bel épisode, j'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Ben et à laisser des petits... pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Salut tout le monde.